Un éclair de guenille, tous les mercredis. Tous les mercredis. Jusqu'à 23h30, bien sûr. Allez, cette semaine, on va s'amuser un peu parce que je me suis intéressée aux accessoires pour pimenter votre relation amoureuse et j'en ai ramené. Alors, tu nous as ramené des accessoires, lesquels ? Qu'est-ce que c'est ? Et on veut juste savoir ce qui a servi ou pas servi. Oui. je ne sais pas, à vous de deviner. Moi, je prends le sac en tout cas. Là, je le sens bien. Là. Première idée. Selon une étude américaine, 85% de la population aurait des tendances sadomasochistes. Je le rappelle, le sadomasochisme, c'est le plaisir de dominer son ou sa partenaire, ce qui explique par exemple le succès de 50 nuances de Grey. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas violent au point d'avoir un fouet, mais le sadomasochisme, c'est dur à dire, peut se déclarer lorsqu'on aime se faire insulter ou insulter pendant l'acte. Ça peut être simplement ça. T'aimes ça, mon cochon? C'est pas très excitant, ça. C'est pas hyper excitant. Tu dis ça, ça descend. Moi, je dis ça, je me dis non, c'est bon. Oh mince. Et grâce à Andreas, ce soir, on a un des accessoires sado le plus utilisé au monde. Andreas, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Dis-nous tout. Oh, des menottes. À la base, c'est un jouet pour enfants. Ah ouais. Ah non, y a... bah, chez moi, les enfants portent ça. Voilà. Non mais c'est un peu très... bizarre. Il y a des petits froufrous roses. Oui, c'est ça. C'est très sympa. Ça, on... sympa. Moi, je me demandais juste mal comme ça. Est-ce qu'on peut le mettre autour des pattes d'un veau, par exemple? Ah, non, 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 on peut le mettre autour d'autre chose, même. Hein. Voilà. Ou pas. En tout cas, vous pouvez accentuer la sensation en utilisant un bandeau pour cacher les yeux de votre partenaire, ou on peut prendre juste un chiffon ou un pull, hein, si vous n'avez pas de bandeau. Alors, il faut éviter les sacs poubelles parce qu'une fois, la personne est morte. Non, je te le dis. Mais c'est horrible. Alors, qui l'a déjà fait ou voudrait le faire? Soyez honnête. Moi, je vais dire la vérité, je l'ai déjà fait. Enfin, c'était pas dans cette regard situation. Voilà, c'était un j'avais les menottes. Mais non, jamais fait. Ouais. Et c'était un policier femme? Justement, c'était une policière, elle m'a reconnue ensuite et elle a pris une photo avec moi. Mais, mais ouais, non, j'ai jamais essayé dans le lit, en tout cas. D'accord. Si. Bah, c'est peut-être à tester, on peut voir. À tester. Ouais. Ouais. Alors, elles ont servi, en fait, attention. Vous avez les clés quand même? Les empreintes. Non, pas ça s'ouvre. Non, il n'y a pas besoin de. C'est pas du Made in France, ça, mon gars. Ah oui, ça va pas tourner, bien sûr. Il faut l'ouvrir manuellement. Et oh, la menotte pétée, le bide. Il était gangsta, celui-là. Ah ouais. Tu l'amour en vrai, tu vois. Où sont les clés? Je peux vous les mettre, Maxime Guény, s'il vous plaît. Attendez, je vais l'enrouler autour du truc, vous allez être bloqué là. Je vous laisse essayer. On a accroché Maxime, faut s'accrocher au micro, ce serait pas. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais fait. C'est un peu le principe. Oh là là, elle devient chaude, ma chronique là. Il a l'air heureux en tout cas, là il a l'air vraiment super. Hein. Allez, la deuxième idée, l'orgasme culinaire. Oui, ça existe. On peut avoir un orgasme en mangeant quelque chose de très bon. C'est pour cela que je vous propose de mélanger la nourriture à vos ébats. Alors si vous regardez Sex in the City, vous devez vous rappeler que Samantha met des sushis sur son corps nu, ce qui est une très bonne idée. Mais pour les timides, je vous ai ramené des accessoires. Alors c'est quoi la suite? Surtout quand elle habite qui sent le poisson, ça masque le... Oh non! Mais arrêtez-le! J'essaie de faire en sorte de gagner du temps. C'est ignoble! Alors, je sors mes petits accessoires, voilà. Ah, alors, ouais. Je vous laisse les dé- Oh, il y a des bonbons! Ah, c'est des friandises! Mais tu les as commandés. Tu les as commandés par combien là? Ah, ouais, là, il y a un stock! Alors, ils ont servi, hein. Des bonbons string ou tétons, ouvrez-les! Ah, non, ils sont tout neufs. Ouvrez-les et mettez-les, s'il vous plaît! C'est-à-dire. Ah, on doit les mettre! Vous les ouvrez comme ça, juste pour vous. Ouah, le délire, c'est archi bien. Génial, ça. Ah, oui, voilà. Donc, ah, oui, Anthony a le. Ah, ça, c'est le soutien-gorge. Le soutien-gorge. Bon, d'accord, j'ai cru que c'était le string, je me suis dit, c'est quelle taille ça? J'ai quand même Andreas qui m'enfile mon soutien. Et c'est fait en bonbons de mon enfance, là, les colliers, en fait. Ça vous va bien? Attendez, parce qu'Andreas, il connaît parfaitement. Il m'apprend à faire un autre. Ouais, j'ai l'impression. C'est incroyable, c'est un professionnel du jeu. Il a les menottes et il a une petite sœur. Maxime, vous pouvez ouvrir le string? Je peux ouvrir le string. Ah oui. Ah oui, il y a le string. Ah oui, il y a le string à l'intérieur. Voilà. Tiens, Julien, essaye de le déballer. Je vais essayer le string. Et il en existe de toutes sortes. Il y en a avec des bonbons typiques. Enfin, voilà. Ah ouais, carrément. Pour pimenter un peu sa soirée. Et le fait de mélanger le plaisir gustatif à vos ébats développe les sens et augmente le plaisir de 40% selon une étude australienne. 40%? Ouah, c'est quoi cette taille de string? Ouais, ça lance-pierre le truc. Alors, Julien, se met, vous avez quoi là? Alors là, il est énorme, le truc. String pour baleine.
Bon, je ne savais pas. Non, mais en plus, t'es en train de te dire ce truc-là. Je sais pas comment le mettre. Il y a plusieurs tailles quand même ou pas? Bah, là, c'était taille unique. Et quand même, c'est lourd, c'est 145 grammes de. Et surtout que tu te dis que, tu sais, au bout d'un moment, bon, les bonbons commencent à ramollir, quoi. Tu sais, ça colle un peu, quoi. C'est effervescent. Excusez-moi, Maxime Guéli, c'est quand même le seul à penser aux apports caloriques. Le truc, c'est sexuel à balle. Non, mais il y a quand même. Faites gaffe parce que ça date de 2005 quand même. Oui, non, mais ça date d'il y a longtemps, mais. Ah, Anthony, oh, va nous Anthony, faire Anthony, Andreas String. Ferme les yeux, on va se prendre un bouton dans la gueule là. Bon, les mecs, ça vous excite ou pas? Ah, ouais, tout ouais, là, autant dire. Là, sur Anthony, là, c'est super sexy. Je suis dur. Ouais, j'adore. Moi. Faut bien choisir le modèle. Surtout que vous voyez pas, mais derrière, en fait, il y a pas assez de bonbons. Donc, du coup, il a direct, quelle horreur. Il a direct la ficelle dans le derche. Non, regarde. Quelle horreur. Je sais pas qui a conçu ça. J'en ai d'autres pour vous, vous inquiétez pas. Si je m'assois, je vais faire la purée. Ça va exploser, je vais. Bon. Troisième idée, le déguisement bien sûr ou les jeux de rôle. Alors la monotonie. Quoi? Je vais y arriver. La monotonie tue le couple. C'est pourquoi je vous propose de vous transformer le temps d'un moment en hôtesse de l'air ou en cow-boy ou en soubrette. Alors j'ai ramené des exemples de déguisement. D'accord. J'avais que des trucs de filles, donc va falloir improviser. Bon, Maxime ou Andreas. Voilà, le petit chapeau de. Ah, le petit chapeau de test de l'air. Attends, Andreas, juste. Tu te vois la hôtesse de l'air. Je suis sûr que ça te marche mieux à toi. Écoute, ça. Eh ben, essaye le bas pour voir. Ouais, non, je sais pas, ça me va pas trop. C'est pas trop mon. C'est pas trop mon. Si, je suis sûr que ça tira super bien. Alors, Maxime, je te garde la petite soubrette. C'est à moi, c'est la moindre chose. Nickel, allez, on va la mettre. Ça a servi. Ouais, ça passe même pas. Non, ça a pas servi, vous inquiétez pas. Comment ça se fait que t'en as autant? C'est normal qu'il y ait une tâche. Je reçois des cadeaux. J'ai bizarre, moi j'en reçois aussi, mais c'est pas les mêmes. Mais de semaine en semaine, il y a des moyens dans cette chronique. Hein. Ça, on est sponsorisé sur VL. Bon, attendez, je vais mettre la jarretière, madame, parce que là, ça passe pas. Il y a la petite jarretière, le petit corset. Enfin, c'est assez sympa. Et l'important, c'est de vraiment rester dans son personnage. Donc même si vous êtes en cow-boy, admettons, et votre femme, elle fait « Ah, t'es mignon en cow-boy !» Tu lui dis « Ah, viens là, mon petit... » Ah ouais, ok. Pas cheval ou quoi, mais... Je vais te mettre un coup de lasso, tu vas voir. C'est prouvé, il faut vraiment rester dans son personnage pour maximiser le plaisir. Alors, quel serait votre personnage? Allez, quel est votre quel serait votre personnage? Qu'est-ce qui vous fait fantasmer? Moi, je serais le vendeur de glace avec un accent. Non, oh mais, là là. Ce qui nous fait fantasmer en tant que personnage qu'on voudrait incarner. Voilà, ce que la femme pourrait faire pour vous faire plaisir. Bon, pour la femme, c'est Catwoman quand même. Catwoman. Ah là là. Moi j'aurais version Batman 92. Hein. Moi, j'aurais misé sur Hulk, moi, direct. Le boucher, c'est le truc dégueulasse. Alors viens là, je vais te mettre mon gros crochet, tiens, ouais, ça a saigné. Donc toi, tu le déguiserais en boucher. Non, franchement, ouais. En vrai, je suis pas pour les déguisements, j'aime bien quand le corps est nu, mais un petit déguisement de. Je sais pas, moi j'aimerais bien un truc drôle, vraiment. La femme déguisée en hôtesse de l'air, j'aime beaucoup. Ouais. C'est pour ça que je vais directement sortir avec des hôtesses de l'air. Tu vois voilà. La sortie sur votre droite. Moi, la police, parce que j'ai une relation privilégiée avec eux. Parce que, comme on dit aux États-Unis, fuck the police. Maxime. Moi, Catwoman aussi. Catwoman, et après, sinon Suzanne Boyle aussi dans le délire, j'aime bien aussi Suzanne Boyle. Voilà. Attends, t'avais pas dit tout à l'heure que t'avais un déguisement de, comment on dit, le mec qui fait les kebabs? Ouais, si, ah ouais, alors ce que je disais à André, c'est que moi, il y a un truc que je kiffe. Hein. Moi, au moment propice de l'action, là, je sors mon petit déguisement de kebab, Marcel Blanc. Hop, et je commence à faire genre je découpe de la viande, ça excite toujours. Ça il l'appelle chef. Et tu sors ta sauce blanche. Hein. Chef, salade tomateau. Non, mais non. Non, on va pas à cette heure-ci. Et la quatrième idée, on va essayer tout de suite, ce sont les jeux érotiques. Alors normalement, il y a des dés avec un plateau de jeu, mais je vais juste ramener des petits livrets. Des livrets, voilà. Pourquoi? Ce sont des petits livrets avec des questions et des gages. Bon, alors, je vais pas vous faire les gages parce que je pense qu'on va... Voilà, je vous en lis un juste. Vas-y. Histoire de. Une femme peut s'occuper du pénis de multiples manières avec la bouche en le léchant. Pouvez-vous répéter ses mouvements avec une banane? Voilà, c'est bon. Bah, on joue. Bon, allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, on a bien 5 minutes à tuer. Allez, on y va. Il y a rien après, Maxime. Il y a rien après. Bon, après, c'est que la musique. Alors, on n'a pas de banane, mais viens, tiens, avec le WAD. Je vous ai gardé quand même des petites questions. Elles sont assez mignonnes. Bon, si elles sont mignonnes, ça passe. Non, là, la tournée de page, ça vient. Ouais, la première tout à l'heure, j'ai lu, elles étaient mignonnes. Si votre...
En tout, c'est plus hard. Vas-y, prends le doucement. Alors, je commence, je vais faire une question par personne. D'accord, ça marche, vas-y. Allez, Andreas, si votre partenaire vous invite à aller voir un film porno dans les trucs bien glauques là. Ouais, j'adore. L'accompagnez-vous. Ouais, je prends carrément des places avec des lunettes 3D, premier rang, popcorn et tout. C'est vrai? Non, franchement, pour le délire, j'y vais, bien sûr, j'y vais. J'y vais, mais je pense que je reste pas jusqu'à la fin du film. Et je pense que d'ailleurs, personne ne reste jusqu'à la fin. Non, c'est sûr. C'est assez particulier, t'as terminé avant, de toute façon. Par rapport à notre invité, là, la définition dans ton jeu du one-man show, je lis la définition. Le perdant propose au gagnant un spectacle de masturbation en direct. Ensemble, vous mettez les détails au point, le lieu, la tenue, la position, etc. Et pendant que le perdant s'active, le gagnant peut encore le diriger à sa guise. Elle peut s'approcher ou non selon ses désirs. Et tant que le perdant, en fait, il doit continuer et faire son spectacle dans un lieu public. C'est une très bonne idée, ça. Dans un lieu public? Ouais, mais non. Tu l'as trouvé où ton jeu? Je vais pas dire, enfin bref. Anthony. Oui. Anthony, quel est l'objet le plus érotique chez vous? Ma télécommande. Allez. Non, parle-nous de l'objet dont tu as parlé tout à l'heure, le Made in France. Oui, grave. En forme de monument. J'étais en train de penser à ça. C'est vrai qu'on m'a envoyé un cadeau. C'est un godemiché en forme de tour Eiffel. Vous connaissez le nom de ce truc? C'est la tour Eiffel. Je jure que c'est vrai, c'est énorme. Et alors, c'est assez joli parce que c'est une tour Eiffel et tout ça, mais sauf que le bout est arrondi. Et donc, on m'a offert une bleue. Et je l'avais mis dans mon salon. Ah, j'ai cru que t'allais dire autre chose. Non. Je l'avais mis en déco dans mon salon, mais ma mère m'a dit ça fait quand même mauvais genre. Bah oui. Voilà. On ira faire un tour chez toi. Maxime, Kat. Oui. Votre partenaire vous dit qu'elle a envie d'essayer le SM Soft. Participez-vous? Ouais, s'il y a une petite tour Eiffel bleue, un petit peu, voilà, pourquoi pas, ouais. Moi, je suis ouvert à tout, moi, de toute façon, je. Ok. Ah, ça peut pas être difficile, non? C'est vrai? Non, peut-être pas. Pour être fouetté et tout? Non, en vrai, non, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis plus un mec cool, tu vois, hôtesse de l'air. On l'aura remarqué, Maxime. Plutôt soft. Allez, on continue. Quelle est la dernière scène sexuelle agréable que vous avez vue ou lue? Décrivez-la. Ou pratiquer? Ouais. Ou pratiquer. Agréable? Ouais. Sexuelle, hein. Ça veut dire qu'il y a des désagréables là dans ces souvenirs. Ouais, parce que ce matin c'était pas top, mais. Heure de pointe, la ligne. Hein. une scène agréable. Oui. Je crois que c'était un striptease. C'était un striptease, un très joli striptease d'ailleurs, mais c'était il y a 2 semaines, donc ça remonte. D'accord, donc la femme a fait le. Non, c'était un pote à lui. Bah oui, c'est une femme. Non, mais je veux qu'il nous en dise plus. Non, elle a fait un striptease improvisé, quoi. Je savais pas, et ça a démarré d'un coup. On s'y attend pas, papa. Allez, tiens, c'est la surprise. J'étais en train de regarder L'amour est dans le pays, saison 13. Et là, d'un coup. Ouais, c'était pas mal. Attends, fais-le à Maxime après. Oh là là. On va pas vous épargner. Alors, le Kama Sutra, pour Maxime. Mmh. Le Kama Sutra décrit plus de 100 positions sexuelles. Décrivez et nommez vos 3 positions préférées. J'en connais à peine une seule. Comme j'adore l'armée, le missionnaire est ce qui me va le mieux. Le missionnaire. Le tourniquet berbère, la boule. C'est marrant. Moi, j'adore les. Attends, à toi. Nous esquive pas, c'est ton tour. Tiens, vas-y, fais voir. Elle allait fermer le petit bouquin. Alors, à sélectionner la question. Et Priscilla, attention, on attend de toi la meilleure des réponses. J'ai laissé une banane. Là, il est en train de la choisir, là, attention. Fais gaffe, il y a 2 côtés. Il y a un truc gentil, un truc. Enfin, il y a des questions et les autres, c'est plus des. Ouais, t'inquiète, on va te faire progresser les actions. Oui. Vous allez fermer les yeux, ouvrir la bouche. Mes parents regardent l'émission. Anthony. Priscilla. C'est l'air crédible, mon fils. Carrément. Il existe de nombreux accessoires sexuels excitants. Un godemiché, des glaçons, des huiles de massage, des menottes ou autres. Qu'est-ce que vous voudriez essayer ce soir? Ce soir? Ouais. Allez, les glaçons. Les glaçons, j'ai jamais essayé, mais ça doit être. Et quand tu mets spécial. Les glaçons, ça fait. C'est-à-dire les glaçons. Voilà, ouais. Et le reste, du coup, c'était quoi les autres accessoires? Godemiché. Des huiles de massage. T'as déjà essayé les autres accessoires? Je crois qu'il y a aussi, comme accessoire, il y a aussi Julien Sommet, non? Si, j'ai. Les huiles de massage, je trouve ça hyper romantique. Et l'autre, parce qu'en fait, c'est l'autre qui nous intéresse. Le God. Bah justement, j'ai une très bonne offre sur les huiles essentielles. Ah, j'ai cru qu'il y avait autre chose. Ça commence à déraper là. Putain, j'en ai une dernière pour préciser. Une dernière. Oh, là, j'ai déjà répondu. Attends, vas-y. Reproduisez le bruit
que peut faire votre partenaire pendant le jeu amoureux qui vous excite le plus? Oh là là. Mon partenaire. Moi c'est Pierre Feuille Ciseaux d'habitude. Un mec qui Vas-y, lâche-toi. Un mec qui vient, c'est quand même hyper marrant. Vas-y, bah. La question c'est reproduisez. Vas-y, fais-le. Je suis sûr que t'en as un en tête qui t'a marqué, c'est sûr. Non mais il vient pas là. Là il est constipé, il essaie de faire caca. Là il vient de se prendre un coup de gazeuse. Il ferme les yeux et tout. Non, c'est plutôt, c'est marrant. Vous merci Priscilla, merci. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.